Bienvenue dans le podcast du blog Vivre de ce roman. Je suis Anaïs W, romancière indépendante depuis 2015. Je vous apporte ici des conseils, de l'inspiration et de la motivation pour la publication et la promotion de vos romans en auto-édition. Vous trouverez votre e-book gratuit « Les 7 fondamentaux pour vous auto-éditer et vivre de vos romans » et aussi beaucoup d'autres informations sur mon blog vivredeseroman.com. Le plus important est que vous trouviez votre voie et votre épanouissement en tant qu'auteur, quels que soient vos objectifs. Maintenant, place à l'interview. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un 10e podcast. Je vais donner la parole à Fabrice Cosapé, qui est un auteur que j'ai eu la chance d'accompagner dans ses premiers pas en auto-édition début 2020. J'ai pu observer au cours des mois qui ont suivi l'accompagnement son évolution, la manière dont il trouvait ses marques dans cette nouvelle activité avec toujours son premier roman mais aussi la parution d'un nouveau. J'ai trouvé son parcours tellement inspirant et sa façon d'être et de trouver sa place que je me suis dit que c'était justement une super bonne idée de faire ce podcast aujourd'hui pour vous permettre de le découvrir et éventuellement de vous inspirer vous aussi et bien de son parcours. Fabrice aujourd'hui va vous en dire un petit peu plus sur où est-ce qu'il en était quand il a commencé en auto-édition. Il va vous parler de ses doutes, de ce qu'il a appris, de ce qu'il a découvert et comment est-ce qu'il a cheminé tout au long de cette première année en auto-édition. Donc j'espère que vous allez apprécier ce podcast et que ça vous donnera aussi envie de vous investir dans cette activité, d'aller au bout de vos rêves, de votre passion, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin. Allez, je laisse la parole à Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Anaïs. Merci beaucoup de prendre le temps de faire ce podcast aujourd'hui et de partager avec nous ton expérience en auto-édition. Mais avec grand plaisir. Donc ça a été une année assez complète, hein. Ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on se connaît et que je t'ai vu évoluer. Oui. Voilà, et justement je trouvais ça très inspirant ce que j'expliquais juste avant et j'espère que ce sera inspirant pour tous les auteurs qui nous écouteront. Donc on va revenir un petit peu sur ton parcours et le contexte dans lequel tu étais fin 2019, début 2020, quand tu as pris contact avec moi. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus où tu en étais? Déjà, est-ce que tu avais un travail en parallèle à ta passion? Pourquoi est-ce que tu pensais à l'auto-édition? Quels étaient tes objectifs? D'accord. Oui, j'étais salarié fin 2019, début 2020. J'écrivais en parallèle. J'avais 8 romans déjà écrits. J'avais essayé avec une EME. D'abord, j'ai un parcours sur Wattpad en espérant trouver une EME pour être publié. Après, j'ai vu que ça n'aboutissait pas. J'ai essayé de démarcher des maisons d'édition classiques. La dernière, en fait, n'a pas abouti, n'a pas pu publier mon roman, mais m'a indiqué que j'avais un manuscrit prêt et m'a invité à me lancer dans l'auto-édition. D'accord. J'ai potassé vite fait et ça me paraissait insurmontable. Voilà, ça me paraissait très compliqué, quoi. Ok, donc c'est ce qui t'a un petit peu finalement encouragé à me contacter et à ne pas faire la démarche tout seul. Tout à fait. C'est ça. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que ça s'est fait à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu une sorte d'élément déclencheur? Parce que si je me souviens bien, quand on en discutait ensemble, ça faisait quand même quelques mois déjà que ça trottait dans ta tête. Et tu repoussais quand même régulièrement le moment fatidique de te lancer. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer à l'acte, finalement? Alors, bon, déjà je songeais, j'oscillais entre désir d'écrire, désir d'abandon, parce que j'ai l'impression que ça n'aboutirait pas, c'était très chronophage. Ensuite, c'est donc un ami qui m'a parlé d'une jeune auteure qui était auto-publiée et qui en vivait. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été découvert et que j'ai visionné tes vidéos, tes témoignages. Et puis un jour, je me suis lancé. Voilà. Voilà. Donc, je me souviens bien, tu as dû prendre un petit peu de temps pour réussir à investir dans ce projet. Et franchement, je crois que, avec le recul, tu as vraiment bien fait quand on voit tout ce que tu as parcouru.
Oui, vraiment, vraiment. Mais je, oui, en fait, j'avais aussi un peu le syndrome de l'imposteur. Je savais pas si j'étais légitime, etc. Donc, oui, non, franchement, c'est la meilleure décision que j'ai faite, j'ai prise ces dernières années, Ok, sans donc aujourd'hui problème. c'est bon, le syndrome de l'imposteur, ça va mieux. Oui. Maintenant, je me sens légitime. Ça va. Tu fais Je, ton bonhomme voilà. de Je, chemin. j'ai, voilà, complètement. Je, voilà, j'ai aucun problème. Et même j'ai de bons retours, donc c'est très encourageant et je compte bien poursuivre. Longtemps. C'est ça. Bon, parfait, on va en parler un peu plus profondément. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu sur la période d'accompagnement qu'on a fait ensemble, qui a duré 3 mois. Donc, c'est quand même un bon morceau de vie, on va dire ça comme ça, tous les deux. Oui. Très intense. Ouais. Voilà, on a abordé plein de choses. Donc, on est parti vraiment de créer justement ton identité d'auteur. On a aussi ensuite parlé de la publication à proprement parler et de la stratégie de lancement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as vécu cet accompagnement, comment tu es sorti de ta zone de confort, les difficultés, les doutes que tu as traversés pendant cette période, éventuellement aussi un petit peu après, quand je t'ai un petit peu laissé voler de tes propres ailes? Alors, ben, au début, bah, déjà j'étais de suite en confiance, donc tu as su. En fait, voilà, d'emblée, tu m'as proposé un planning, voilà, sur les 3 mois, comment ça allait se dérouler. Et donc, déjà, c'est rassurant parce que je pense que tu m'aurais dit, oh, faut faire ça, 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 ça. Tout d'un coup, je pense que j'aurais lâché l'affaire de suite. Voilà, vu le travail que c'est. Ça peut être, ouais, flippant. Voilà. Complètement. Donc oui, on a commencé du tout début, donc créer son identité, apprendre à communiquer, et ensuite progressivement se rapprocher, retravailler son manuscrit, sa couverture, pour cheminer vers la publication. J'ai traversé. Bah alors c'était très bien, très intense, comme j'ai dit. J'ai parfois eu des moments où j'ai voulu abandonner, notamment quand j'ai découvert que mon manuscrit n'était pas aussi parfait que ce qu'il en avait l'air. Voilà. Donc là, j'avais trouvé une bonne occasion d'abandonner. Puis tu m'as reboosté, heureusement. Et puis oui, j'ai eu plusieurs moments, notamment tout ce qui était par rapport à la mise en page, qui sont comment dire, qui sont des travaux qui m'assomment complètement, qui m'intéressent. J'ai eu beaucoup de mal à me concentrer là-dessus et à voilà, bah, à me concentrer dessus. Et pareil, tu étais derrière à me booster, et heureusement, heureusement, Donc parce que finalement, non, non, c'était ça, c'est c'était les différentes étapes il y a eu des où je me souviens aussi, de toute façon, au cours de l'accompagnement, qu'il y avait des moments où c'était un petit peu plus dur parce qu'il y avait quand même aussi beaucoup de Oui. travail, c'est beaucoup de choses qu'on apprend, qu'on découvre sur soi, etc. Et puis voilà, ça Oui. repousse un petit peu la zone de confort. Donc en Complètement. effet, moi j'ai poussé pour que tu évolues. Après, je proposais aussi éventuellement maintenant de déléguer peut-être les tâches qui t'ont le moins plu, hein, c'est toujours Oui. une possibilité. Mais à cette époque-là, il fallait que tu le fasses par toi-même, pour différentes Oui. raisons. Mais Tout à fait. voilà. Donc le plus dur, ça a été de gérer ces finalement ces pics émotionnels, un petit peu de Oui. découragement, voire de colère des fois. Oui, tout à Voilà. fait, tout à fait. Ah oui, tout à fait Nous avons eu aussi. des... Exactement. et finalement, voilà. Donc qu'est-ce que donc tu as accompli tout ça finalement? Tu as accompli de Oui. surmonter ces moments émotionnels. Ça t'a appris aussi à les surmonter peut-être tout seul plus tard. Tout à fait, tout à fait. Et donc cette première sortie, elle a eu lieu voilà début 2020. Quels ont été les résultats? Est-ce que tu as été satisfait des résultats obtenus pour cette première sortie? Oui, franchement. En plus, c'est sorti, je pense, au pire moment possible. J'ai fait ma sortie la semaine du premier confinement. Donc, j'ai pas reçu mes brochures à temps. C'était la panique un peu. Et pareil, là, bon, j'étais assez désespéré. Tu m'as remotivé. Mais non, mais franchement, ça a très très bien démarré. J'ai eu de très très bons retours. Ça s'est très bien vendu les 2 premiers mois. Après, ça a un petit peu forcément baissé, hein, ce qui est classique. Ça a forcément baissé. Et puis, il y a eu un regain en fin d'année, grâce à Instagram, je pense, même c'est sûr. Oui. J'ai eu un regain de vente. Et donc, non, franchement, pour le premier roman, ça a été excellent. Ouais. Excellent.
Est-ce que tu as quelques petits chiffres que tu aimerais ou pourrais partager avec nous, éventuellement, sur le Bien moment de la sûr. sortie? Alors, il y a les ventes de brochets, les ventes. Alors, on avait monté une boutique en ligne, on s'était assuré, Tout je à crois, fait. hein, pour ta sortie, Oui. vraiment à ce moment-là, que tu aies la Ah possibilité oui. d'envoyer toi-même tes livres dédicacés. Et il y a aussi, bien sûr, la sortie sur Amazon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu en chiffres? Oui, alors ben, j'ai principalement vendu au début sur mon site. Donc la boutique en ligne, c'est quand même essentiel. Essentiel. Parce que en fait, la plupart des personnes voulaient des exemplaires brochés dédicacés. J'ai dû en vendre sur le premier mois. Sur les 2 mois, j'en ai vendu une centaine de brochés papier, donc ce qui est Ouais. honorable. Franchement, oui. Et ouais, non, franchement, oui, non, très content. Et sur Amazon, avec entre le e-book et j'ai dû en vendre un peu plus dans les bon, à peu près similaire, 100 exemplaires Voilà. Amazon et brochés et pardon, e-book. OK. Et là, à l'heure actuelle, j'en suis à quasiment 500, 200 brochés à peu près et 300 e-books. D'accord, depuis Ce la qui est. sortie. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc tu as quand même des ventes assez régulières aujourd'hui. Enfin, tu as eu Oui. des ventes assez régulières quand même, du coup. Voilà. Après, on sait, Tout à ça se fait, ouais. construit aussi au fur et à mesure des sorties. Oui. Voilà. Bah oui. Donc justement, tu vas nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que tu as fait ces derniers mois, alors avant la sortie de ton deuxième roman, enfin de ton deuxième livre. Comment est-ce que tu as réussi à maintenir ta communauté de lecteurs, l'attention sur sur ton livre, du coup, parce que tu en avais un Ouais. seul. Comment est-ce que tu as géré un petit peu ces mois suivants en attendant la préparation du second? Alors, en fait, j'ai rapidement, après ma sortie, et tu m'avais conseillé de faire donc en parallèle une page Facebook et une page Instagram. Et en fait, j'ai remarqué que sur Instagram, il y avait une grosse communauté. Et j'ai vu que, en fait, j'ai senti qu'il fallait vraiment que je développe ma page, mon compte Instagram. C'est ce que j'ai fait, donc en publiant régulièrement les mêmes visuels que j'avais sur ma page Facebook, c'est-à-dire des citations, tout ce qui était lié à l'univers, à mon univers et à l'univers du roman, mais en étant très régulier. Et progressivement, ça a pris. Et donc, j'ai eu de plus en plus d'abonnés. Et j'ai eu des personnes qui m'ont chroniqué. Parce qu'en fait, en fait, c'est comme ça que je l'ai senti, parce que mes premières chroniques, je les ai eues par des personnes qui étaient sur Instagram. OK. Voilà. Et c'est, voilà, de fil en aiguille, j'ai eu de la visibilité grâce à ces chroniqueurs. Et j'ai pris des abonnés, des nouveaux chroniqueurs. Et là, ça a très, très bien pris. Et je me suis rendu compte, voilà, qu'Instagram, c'était vraiment une plateforme très efficace pour la communication, pour l'auto-édition notamment. Ouais. Et donc ça, tu l'as aussi ressenti. Déjà, j'imagine personnellement, parce que moi, c'est cette fameuse évolution que j'ai vue qui était très marquante, en effet. On voit vraiment que tu as trouvé ton identité sur Instagram. Où tu as tes posts, ils sont toujours cohérents, il y a toujours quelque chose qui revient, où on sent que c'est toi. Moi, je sais quand il y a un post, je sais que c'est toi, je n'ai pas besoin de regarder. Voilà. Et ça, c'est aussi très important, je pense. Oui. Tu as vraiment créé aussi toute une vie, toute une histoire autour de ton univers, un petit peu glauque, hein, pour dire des fois. Oui, tout à fait, oui. On va pas se Ah cacher, oui. mais ce côté très thriller, très. Un peu macabre et tout ça, donc ça c'est C'est très toi ça. et ça plaît hein, L'univers de toute sombre, façon. exactement. Ouais. Voilà, Ah oui. et donc ça c'est très marqué, c'est très très intéressant. Donc j'imagine en effet que les lecteurs qui sont sensibles, voire les chroniqueurs, ils ont eu envie de te découvrir, et donc tout ce cheminement à la fois personnel dans ton identité d'auteur, tu as dû le ressentir sur tes ventes, ce que tu disais tout à l'heure, tu as eu un rebond de tes ventes avec Instagram sur ton premier roman. Exactement, exactement. Au bout de sur la fin de l'année, à partir Ouais. d'octobre, et voilà, et après ça n'a pas faibli, parce que forcément plus de personnes me lisaient sur Instagram, chroniquaient mon roman, et de fil en aiguille, ça m'a apporté énormément de lecteurs. D'accord. Pareil, en chiffres, tu es capable de dire si, enfin, en termes de régularité, avant, genre, tu avais une vente tous les mois et maintenant, tu en as plutôt 10, je sais pas. Enfin, tu as un élément de comparaison un petit peu ou. Oui. Alors, au plus calme, c'est-à-dire début de l'été, ou à tout l'été, début septembre, j'en étais à 2-3 ventes par mois sur mon site. J'organisais régulièrement des concours des concours ou des sessions gratuites sur Amazon.
donc il faisait venir des personnes. Oui, je devais être à un, deux Ouais. exemplaires brochés par mois sur ma boutique Ouais. et une dizaine sur Amazon. Et là, ouais, je suis monté facilement à 15-20 sur mon site par mois et beaucoup plus sur Amazon. D'accord. 40, ouais, je dirais facile. Ouais. Facile, ouais. Alors, je tiens quand même à le dire, si tu fais 15-20 ventes de livres brochés par mois sur ta boutique actuellement, bah franchement, chapeau, parce que c'est ce que je fais moi aujourd'hui après 5 ans D'accord. d'auto-édition. Ah oui, ok, Donc, d'accord. voilà. Donc, on voit aussi l'intérêt quelque part d'avoir une expérience concrète dès le début, qui permet Oui. en place de mettre les bonnes bases tout de suite, et c'est ce que je dis toujours par rapport aux accompagnements, c'est que ça fait gagner du temps. Et donc tu vois, Tout à fait. aujourd'hui, donc même si tes ventes sur Amazon doivent progresser, la communauté que tu as créée permet de faire vivre ton site internet, et ça c'est fondamental. Complètement, Après, voilà. Amazon, ça reste une plateforme extérieure où il faut faire son nid, c'est très long, et voilà, ça, y a que les publications récurrentes, un peu de publicité éventuellement qui peuvent aider, mais bon, ouais, ça va évoluer. Mais déjà, c'est Amazon, je top. Si tu es maîtrise pas du tout. satisfait. Voilà, mais c'est ça. Instagram, en fait, c'est pour faire venir les personnes sur mon site, clairement. C'est ça. Voilà. Ouais, bah c'est top. Et Franchement, c'est ça une fonctionne bien. stratégie. Ça fonctionne C'est bien. ça. C'est ça. Va falloir Et en que plus, t'aies. alors je ne l'explique pas, j'ai un souci avec sur Instagram. Je ne peux pas inscrire mon URL. Ah, d'accord. Ok. Voilà, il bloque, censure de suite. Donc, je m'y prends sans même indiquer mon adresse. Ouais, ok. Voilà. Bah, ça veut dire que les gens sont vraiment intéressés parce qu'ils font la démarche d'aller te chercher en dehors Voilà, c'est d'Instagram pour ça. aller voir ce que tu fais. Voilà. Ok, Donc parfait. c'est Franchement, bien. c'est top. C'est que ça marche. Donc, franchement, ça ne Ah peut que fonctionner en ouais. continuant comme ça. Donc, justement, en parlant de continuer, tu as sorti un deuxième livre, donc un Oui. recueil de nouvelles. Tout à fait. Voilà, je considère presque comme étant un roman à part entière. Moi, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas encore fini. Bon. Alors, comment est-ce que tu as abordé cette seconde sortie, du coup, sans personne pour t'accompagner? Est-ce que tu as réitéré les choses que tu as apprises? Est-ce que tu les as modifiées? Voilà, dis-moi un petit peu, enfin, dis-nous. Alors, oui, alors j'ai changé des choses parce que bon, mais finalement, la première sortie, c'était ce qui est normal, elle a été assez Bien stressante, sûr. même si je ne me rendais pas compte, mais si, c'était très stressant. Et du coup, je me suis dit, bon, pour la sortie suivante, je vais prendre ça un peu plus à la cool. Voilà, je savais ce que j'avais à faire. Voilà, grâce à ton expérience, à l'expérience de cette première sortie, je savais exactement ce que je devais faire, dans quel ordre. Sauf que j'ai pas indiqué de. Je me suis dit, bon, il sortira quand il sortira. Je presse personne. Donc, pour ma couverture, j'ai dit à mon illustrateur, ouais, ça serait bien que tu me prépares ma couverture. Il m'a dit, oh, ok, pas de problème. À mon correcteur, j'ai dit, ah, non, d'abord à ma bêta lectrice, j'ai dit, oui, bon, j'aimerais le sortir par là. Ok. Et à la correctrice également, je dis oui, bon, c'est pas pressé, mais bon, voilà. Et du coup, j'ai perdu au moins 3 mois, facile. Mais c'est pas En grave. fait, initialement, voilà, initialement, je voulais sortir mon roman, mon recueil de nouvelles le 20 septembre. Je me Il est sorti souviens. le 28 janvier. Moi, 28 janvier. je croyais que t'allais le sortir vers le mois de décembre, tu vois. Et quand je suis revenue à la rentrée de janvier, je dis, bah, Fabrice, il est où ton livre? Tu m'as dit, bah, il est pas encore là. Je dis, alors, qu'est-ce que tu fais, Fabrice? C'est ça. Bah, en fait, je l'ai pris trop. Mais c'est bien parce que, en fait, la première sortie, c'était très carré, stressant. La deuxième, c'était pas carré, flottant, puisque après, c'était carré dans le sens que je savais dans quel ordre. C'était Oui. flottant. Mais du coup, c'était pas comme je voulais. Donc, pour la prochaine, je vais essayer de sortir cet automne mon prochain roman. Même il sortira à l'automne prochain. Ça sera carré. J'indiquerai bien les Ouais. dates. Voilà, bien les Oui, dates. voilà, bien sûr. Mais c'est C'est important important. parce que, oui, alors c'est important à la fois de peut-être recadrer pour pouvoir être productif dans un certain sens, parce Tout à qu'une fois que fait. tu as sorti ton livre, bon, tu peux commencer à travailler sur le prochain. Mais c'est Voilà. aussi bien que tu aies fait cette démarche, que ce soit peut-être plus flottant, parce que le but, comme je le dis souvent, c'est aussi de s'épanouir et pas seulement de bourriner. Voilà, nous, on a fait en Oui. 3 mois parce que ben, on n'allait pas, enfin, ben, il fallait quand même rester dans un Il certain fallait. cadre. Bah oui, tout à Voilà. fait, ouais. Mais en effet, moi, de toute façon, une fois que tu connais les outils,
et que tu sais comment ça fonctionne, tu finis par réussir à faire ton propre rétro-planning en termes de personnel. C'est-à-dire, bah, je sais que faire une sortie en un mois, je peux pas la gérer émotionnellement, donc ça sert à rien. Je sais que je peux pas sortir un livre en un mois si j'envisage de faire tout ça. Par exemple, moi, bon, il y a des gens, ils sortent leur livre en une semaine. Une fois qu'ils ont les corrections, la couverture, ils jettent sur Amazon. Moi et toi, voilà, on a une démarche un petit peu plus, faire une prévente sur la boutique et tout ça, et ça, ça demande de l'anticipation et du rétro-planning. Tout à fait. C'est aussi du stress en plus, bien sûr. Oui, parce tout que à fait, exactement. Mais l'essentiel, c'est de s'y retrouver émotionnellement et personnellement aussi dedans. Donc, ouais, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, par contre, j'avais bien, c'était bien ancré ce que je devais faire, et j'ai commencé ma communication pour la sortie bien avant la sortie, donc bien en amont. Ouais. Et c'est monté, je fais monter progressivement, et ça, ça a été super efficace pour ma promo. Ouais, le teasing, super. Bah ça, ouais, c'est hyper le teasing, important. Franchement, royal. Mais je pense que tu maîtrises parfaitement les réseaux sociaux quand je pense qu'il y a un an, tu ne savais rien faire sur les réseaux sociaux. Ah, tout à fait. Et ça, ah, c'est oui, magique. Ça a été compliqué. Compliqué de comprendre en fait ce que je devais y faire, je ne comprenais pas vraiment. Oui, bien sûr, je me souviens, pendant l'accompagnement, j'essayais de donner des conseils pour écrire les posts, etc. Et de toute façon, je te l'avais dit, tant que tu n'auras pas mis les mains dans le cambouis, tu ne pourras pas trouver ta voie. Donc, sur le coup, ça va être laborieux, ça va être écrit avec les pieds, ce ne sera pas ta personnalité, ce sera du marketing lourdingue, mais ce n'est pas grave, il faut passer par là. Voilà. Et maintenant, on voit le résultat aujourd'hui et moi, je trouve ça génial. Ah ouais. Merci. Bravo, mais Fabrice. C'est grâce à toi, hein. Moi, je te dis, moi, je trouve ça génial tout ce que tu as fait. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment t'inviter aujourd'hui. Bon. Mais... Parfait, ok. Alors, ton roman, il est sorti fin janvier, c'est ça, ton deuxième livre ? Oui. Comment ça s'est passé cette sortie ? Elle a été à la hauteur de tes attentes ? Pour ce premier. Alors, l'impact, déjà, la sortie de ce livre et l'impact sur le premier. Tu peux nous en dire un petit peu plus, même en termes de chiffres, si ça te dérange pas ? Complètement. Alors, j'en ai vendu actuellement en format broché sur ma boutique. Je dois être à une soixantaine. Ok. Une soixantaine, ce que. Oui, très c'est bien. Très bien. C'est ce que je fais pour mes préventes aussi, de manière générale. Donc, tu vois. Bon, bien. Et sur Amazon aussi, j'ai dû en faire. Je sais qu'actuellement, actuellement, j'en ai vendu à peu près, les deux confondus, j'en ai vendu plus de 500. Donc, j'ai dû en faire, je dois être à peu près à une centaine, 150 e-book et brochet confondus Amazon et boutique. D'accord, voilà. Ok, c'est pas mal du tout, ouais. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Et surtout, ce qui a été vachement intéressant, c'est que je l'avais anticipé, mais je ne pensais pas que ce serait flagrant. Les personnes qui m'ont découvert avec mon recueil de nouvelles en ont profité pour acheter mon premier roman. Et sur vice versa. Ta boutique. Voilà. Donc, oui. Du coup, j'ai vendu. J'ai vendu beaucoup les deux. Voilà, mes deux œuvres en même temps. Quoi. Ouais. Parce que ça génial. Démultiplie. Complètement. C'est génial. C'est vraiment génial. Et c'est pour ça, plus tu vas en publier, plus ce sera comme ça. C'est ça, c'est ça. Exactement, c'est ça. J'ai bien compris que, dans tous les cas, c'était. C'est une randonnée en montagne. Voilà, on commence tranquillement et puis on commence à monter, à gravir progressivement et pour atteindre un sommet, mais voilà, il faut commencer doucement. Et je vois, en fait, j'ai vu vraiment qu'avec le deuxième, comment en fait, j'ai vu la différence, quoi. J'ai vu que le second, remettait en lumière le premier, et progressivement, ça monte. Et je sais que le troisième, quand j'arriverai au troisième, ben, je revendrai de nouveau le premier, encore du second, et ouais, c'est génial, quoi. C'est assez fascinant, en fait, comment ça fonctionne. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais tu sais que, l'air de rien, pendant le mois de novembre, j'ai fait, à cause du deuxième confinement, j'ai fait une promo sur mon site qui était « J'offrais l'un de mes tout petits romans », parce que, voilà, je voulais offrir un petit roman. Oui. Alors, je l'ai essentiellement fait cette promo auprès des lecteurs qui me connaissaient déjà, et je me suis dit, voilà, c'était j'offrais ce petit roman d'Eboli Yavé pour deux autres romans achetés sur ma boutique, et je me suis dit, voilà, il y a déjà quand même pas mal de gens qui ont déjà mes livres, donc ils vont peut-être pas avoir tous l'occasion de l'utiliser, et finalement, ça a fait un carton. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas encore leur collection au complet, qui ont profité de ce petit cadeau pour venir agrémenter. Et tu vois, ton recueil de nouvelles, il pourrait servir à ça plus tard.
Complètement, exactement. Oui, je me souviens que je t'ai vu faire donc Et ça a très très bien marché. cette promotion. Ouais, d'accord, Voilà, ben ça ouais. marche. Alors, les 2 plus 1 offerts, ça marche toujours au Ouais, taquet. Bon, il ouais, faut pouvoir le gérer aussi en termes d'envoi, de logistique et de rentabilité, bien sûr. ouais. Mmh. Des Bah bolis oui. IAV, comme c'est un petit roman, il ne me coûte pas très cher à l'impression. C'est aussi pour ça que ce n'est pas très grave si je l'offre. Mais D'accord. je le vois en dédicace aussi quand j'arrive à faire. Quand j'offre un roman pour 2 achetés, ben, je démultiplie mes ventes. J'en fais 10 de plus à la fin de la journée. Et donc, c'est pas mal. Ah Donc, oui, carrément. Ouais. voilà. Donc, je suis en train Mais de je vois réfléchir à aussi écrire. Ouais, des juste fini, je suis en train de petits. réfléchir à écrire des tout petits Vas-y, trucs justement pour pouvoir les vas-y. offrir sur la boutique pour voilà, stimuler ce genre de promotion. Et ça marche beaucoup mieux que quand je fais le fameux coupon de 5 euros que j'offre en ce moment, où là ça fait Oui. toujours un bide, mais je voulais essayer de faire quelque chose. Je crois que Oui, les gens mais je aiment les pense de livres. manière générale, les gens aiment les cadeaux. Parce que je vois sans le livre offert, rien que le fait de mettre d'offrir un marque-page, en fait, ça fait la différence. Les gens sont ravis. J'ai l'impression que C'est je leur fais ça. un énorme cadeau. C'est J'ai ça. juste passé un marque-page, quoi. Et voilà, Ouais, l'effet cadeau, on est d'accord. ça fonctionne Et toujours, quoi. le cadeau pas monétaire. Et oui, c'est ça. Oui, Voilà. c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Et justement, par rapport au fait que moi, ce que j'ai pensé faire pour Ouais. mes prochaines sorties, c'est entre mes prochaines sorties, c'est de publier une nouvelle. Donc, quelque chose de court, voilà, justement, par rapport à ce que tu me dis. Quelque chose de court, soit de l'offrir, soit voilà, que ce soit de le proposer à très bas prix. Ça, en fait, ça Tout garde à fait. une dynamique entre Bah, les tu vois, grosses Fabrice, œuvres. j'ai plus Voilà. rien à t'apprendre. Cette démarche que tu as aujourd'hui, après à peine un an en auto-édition, c'est la démarche que j'ai aujourd'hui, après 5 ans. Je devais publier mon 8e roman au printemps. Finalement, ça ne se fera pas avant cet hiver. J'étais très frustrée de rien Ouais. pouvoir proposer à mes lecteurs et de pas non plus faire vivre ma boutique, Amazon, etc., qui demande du contenu régulier, bah, pour pouvoir en vivre aussi et se faire plaisir, entretenir la passion d'écrire. Et je me suis dit, je vais écrire des textes courts qui vont permettre de Ouais. mettre à bas prix sur Amazon voilà, en accroche, on va dire ça comme ça, et qui vont permettre de faire du contenu à offrir sur la boutique. Tout ça, je l'ai percuté là. Parce que j'ai tendance à écrire toujours des choses immenses. Et tu vois, tu as cette démarche sans même que j'aie à te la prendre. Donc, ça, c'est parfait. Mais en fait, ouais, la différence que tu. Comme tu l'indiques, toi, c'est ce que tu as fait en 5 ans. Mais en fait, j'ai bénéficié de ton expérience. Tout ce que tu as fait, en fait, en gros, tu m'as transmis ce que tu as compris, ce que ton cheminement en 5 ans, moi, tu me l'as transmis Oui, directement. voilà. Donc, en Mais fait, l'idée d'écrire des histoires voilà, courtes, elle vient quand c'est même de pour ça. toi. Et ça, c'est vraiment génial. C'est que tu as bien cerné les lecteurs, Bon, ce ok. dont ils avaient Bon. envie. Et c'est top parce que ça, comme je le dis, certes, c'est important en termes financiers de pouvoir proposer du contenu. Mais c'est aussi Oui. la passion d'écrire et de continuer à partager des œuvres. Et ça, c'est aussi ce qui me manquait. Je me suis dit, Exactement. j'allais partager une histoire Exactement. dans 2 mois et finalement, ce sera dans 6 ou 8. Et j'étais triste. Je me suis dit, voilà, il me faut une autre histoire. Je comprends, je comprends. Alors, C'est justement, je voulais excellent. parler de la suite et Excellent. de ton prochain roman, etc. Est-ce que, voilà, pour finir un petit peu sur ce podcast, tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu envisages cette prochaine année? Donc, il y a la question de la sortie où tu disais qu'en effet, un petit peu moins flottant, mais est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais améliorer dans ta communication, ton site internet, des choses que tu aimerais développer? Voilà, dis-nous un petit peu comment tu vois l'évolution de ton parcours en auto-édition. Ouais. Alors, donc, c'est ce que je pense faire. Je vais essayer au moins essayer de sortir 2 romans par Oui. an, ce qui est ambitieux mais faisable, parce que j'en ai pas mal dans mon tiroir. Entre mes parutions, une nouvelle, voilà, ou un texte court. Voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur mon prochain roman qui sortira cet automne. Mais donc bientôt, je pense début de l'été, je vais sortir une nouvelle. Donc celui-là, je vais le sortir fin d'année, quoi, d'automne. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Comment je compte m'y prendre à peu près. Alors je vais le teaser tranquillement. J'ai remarqué que sur Instagram que les lectures Ok, d'extraits en fonctionnaient vidéo très donc. bien, vraiment très très bien. Voilà en vidéo, Ouais. faire des réels. Donc ça, je Ok. pense, je vais le teaser comme ça. D'abord un texte, après des lectures. Et comment j'envisage, et après continuer ainsi.
En fait, le plan, c'est vraiment, voilà, c'est un roman, une nouvelle, un Ok. roman, une nouvelle sur une année, et je pense que ça permet une régularité, et Ça fait des outils à utiliser. je pense que ça, voilà, je pense que ça sera efficace, Ouais. ouais. C'est comme ça que j'envisage l'avenir, en fait. Voilà, c'est un roman, deux romans Ok. par an et au moins deux nouvelles. Ok, très bien. Donc ça, c'est important en effet. Et en Entre. termes de communication, est-ce que tu, voilà, tu continues à inventer et à chercher de nouvelles techniques, justement avec la lecture d'extraits en réel? Est-ce qu'il y a des choses où tu sens que tu as encore peut-être pas des lacunes ou des choses sur lesquelles tu aimerais développer? Alors ça va être communication sur les réseaux ou ton site internet. Je sais pas si tu as une newsletter, si tu fidélises des lecteurs par rapport à tout ça. Alors, la newsletter, il faudrait que je l'utilise un peu plus. C'est vrai que ça, je l'ai pas maintenu parce que vraiment, je Ouais. me suis reposé sur Instagram. Parce que voilà, j'ai vu que c'était très efficace, oui, que c'était très efficace. Donc, j'ai un peu délaissé la newsletter, mais je vais la Ouais. réexploiter. Parce que voilà, j'ai les emails Tout à fait. des personnes qui ont acheté sur ma boutique. Pour suivre donc Instagram, Facebook, parce que ma page Instagram et Facebook sont liées, donc ça se fait tout seul. Comment je compte faire autrement? Alors, oui, par rapport à la. Contrairement à toi, je n'ai pas Ouais. fait de dédicace. J'avoue que ça me. Ça, c'était certainement le, la, manif le, la promotion qui me stressait le plus. Il y a Ouais. eu le confinement, j'ai pas pu en faire. Voilà, et du coup, je me suis dit, bon, ben, du coup, c'est pour ça que j'ai Bien sûr. développé plus en ligne. Ça m'a arrangé parce que je pense que la dédicace, pour l'instant, je sais pas. Je sais pas. Faudrait que je m'y penche. Je pense que ça serait ça. Voilà, newsletter et À dédicace développer. vraiment à Ok, développer, ça marche. à mon avis. Parfait. Merci Fabrice. Voilà. Alors, dernière question Mais pour je la t'en prie. fin. Si tu avais un message à faire passer Oui. aux auteurs qui se lancent en auto-édition, qui sont, voilà, à deux doigts de se lancer ou qui sont dans leur première année et éventuellement qui galèrent un petit peu, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, de surtout se lancer le plus vite possible. Voilà, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Ça peut paraître impossible. Ça peut paraître impossible tant il y a deux choses à faire, mais il faut prendre son temps, aller à son rythme. Et ils prendront rapidement leur marque, et je suis sûr que c'est une aventure hyper enrichissante. Si on va à la rencontre des lecteurs, on a beaucoup de retours. La communauté dans l'auto-édition est ultra bienveillante. Vraiment, elle est hyper soudée. C'est une aventure géniale, quoi, l'auto-édition. Franchement, je suis très très heureux de m'être lancé. Et j'invite tous les auteurs en herbe à Ouais, foncer il faut essayer, de toute sans façon. hésitation. Il faut tester. Je C'est pense qu'en effet, la première ah oui, publication doit ah oui, il faut être tester, oui. celle où on commet toutes les erreurs, si on n'est pas forcément accompagné, mais il faut y aller, il faut tâter le Tout à terrain, fait. et il faut rapidement Ah oui, réitérer c'est ça. en apprenant entre les deux. Voilà, pour essayer. Est-ce Oui. que tu penses à la professionnalisation de temps en temps? Parce que c'est vrai que ce qu'on entend aujourd'hui sur l'auto-édition, c'est qu'il y a de tout et de rien. Et je côtoie régulièrement des auteurs qui ont publié 3-4 romans et qui, voilà, qui s'en sortent pas. Voilà, qu'est-ce que tu penses du terme professionnalisation? Et voilà, parce que bon, en effet, se lancer, c'est une chose, mais il faut, voilà, j'imagine qu'il y a quand même une certaine démarche à prendre en compte. Tout à fait. Alors pour l'instant, j'ai pas besoin d'en vivre parce que je travaille toujours, je suis toujours salarié. Dans tous les cas, je développe ça en parallèle. Et si par bonheur, je peux en vivre et ne faire plus que ça, je le ferai avec grand plaisir. C'est ça en fait, c'est que même Voilà. si on ne cherche pas à en vivre, le fait de s'investir quand même dans son projet et enfin déjà en termes de communication, en termes de stratégie, c'est quand même nécessaire à trouver ses lecteurs au final, quoi. On peut pas y couper, quoi. Tout à fait, ouais. Non, non, non. Et dans tous les cas, ouais, je pense que c'est compliqué de se dire du jour au lendemain, je me lance dans Oui. l'auto-édition, je vais en vivre. Je pense que c'est un long cheminement. Voilà. Mais je peux voir que déjà, dès ma deuxième sortie, ça paraît long, mais ça peut Ouais, aller très vite, mais c'est ça va aussi vite, parce quoi. que tu as mis en place les Voilà. Il faut outils. vraiment se lancer, en fait, quoi. Voilà.
que tu tout tu en fait tu m'as tu me tu m'as montré des outils et j'ai Oui, juste moi appliqué ou quoi, voilà. quelqu'un d'autre, mais en effet, C'est ce qui oui, est je génial. comprends. Oui, c'est important. Si on structure Oui. pas. Tu m'as montré ce qu'il fallait faire, le processus, et j'ai suivi à la lettre, et j'ai réappliqué pour ma Ça deuxième fonctionne. sortie, C'est et super. ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de Bosser. secret. Ça reste un boulot. Ça reste un boulot à part entière de publier Exactement, son livre. exactement. Oui, avant tout, avant tout. Et Bah s'épanouir. oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Mais voilà, c'est hyper épanouissant dans tous les cas. Cette démarche, je regrette pour rien au monde. Ça m'a fait également de me lancer dans l'auto-édition, m'a permis de m'a fait beaucoup évoluer personnellement. Voilà, maintenant je me sens plus légitime, j'ai plus le syndrome de l'imposteur, je me sens plus à l'aise, plus confiance en moi. Alors, plus Et confiance en c'est toi, pas énorme. forcément C'est qu'en énorme quand même. auto-édition. Ouais. Non, voilà, Ça se dans la vie en ressent. général, complètement, ouais. Non Complètement. que tu étais mal à l'aise au tout début, C'est mais ça se ressent. Ça se ressent, voilà, qu'il y a quelque chose qui a bougé, et puis ça se ressent dans tes posts, ça se ressent dans ta communication, le fait que tu trouves ta place, tu trouves tes mots. Et franchement, moi, je suis super heureuse pour toi. Hein. Franchement. Ben, merci beaucoup et je te remercie, oui, parce qu'en plus, c'est ça, c'est. À la base, je voulais juste faire de l'auto-édition sans penser que ça allait me faire Ouais. évoluer humainement. Voilà. Donc c'est Le le grand petit plus. plus, c'est le petit plus, le Non, mais grand c'est plus, tellement. pardon, Enfin, c'est moi aussi, plutôt le ça, grand plus. c'est ce que je ressens par rapport à l'auto-édition. C'est que c'est dur parfois, c'est un challenge permanent, mais je sais pas, je me redécouvre à chaque fois. Voilà, ça, c'est génial et je suis super contente que tu le vives comme ça aussi. C'est top. Voilà. Ouais, non, franchement, ouais. Très très heureux, très très heureux de m'être lancé, quoi. Voilà, aucun regret, et c'est pour ça que vraiment, vivement, j'invite de jeunes auteurs à se lancer. À se lancer, Super. faut pas Bon, hésiter. on va finir sur cette note hyper positive. Merci encore Fabrice d'avoir pris le temps de partager Très tout ça bien. avec nous aujourd'hui pendant ce 10e podcast. J'invite Mais bien grand sûr tout le monde plaisir. à te suivre sur Merci à toi. Instagram, donc Fabrice Causapé. Je vais mettre une petite image avec ton livre et ton Instagram. Vous pouvez aussi le retrouver sur Facebook. Et puis si vous êtes intéressé par ses D'accord. romans, il y a sa boutique en ligne et sur Amazon, bien sûr. Je te remercie encore. À très bientôt, Tout à Fabrice. fait. Je te suis de près. Merci à Au toi. À revoir. très bientôt, Anaïs. De même. Au revoir. Vous avez apprécié ce podcast? Partagez-le avec tous les auteurs indés de votre entourage. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog vivredeserroman.com pour être tenu informé des prochains épisodes. À très bientôt.